À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, la majesté, l'exaltation, l'adoration au siècle des siècles. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Dieu trois fois saint, Dieu créateur, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous bénissons, nous exaltons, nous louons parce que c'est bon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous rendons action de grâce. Nous disons merci pour la vie, merci pour l'aide, pour le mouvement, merci pour la respiration, la santé. Merci Dieu Tout-Puissant pour parole qui fait nous connaître, qui gens pour nous marcher avec vous, qui gens pour nous servir. La bande va pardonner tout péché que nous faisons, nos péchés, nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous demandons sanctifier nous, purifier nous. Bénis parole que nous va parler. Que parole soit capable au sujet de bénédiction pour toutes oreilles, pour tout le monde qui attendait. Au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Grâce, bon Dieu couvre-nous. La paix du Seigneur soit avec vous tous et avec votre esprit. Nous disons bon Dieu merci pour grâce li. Nous disons bon Dieu merci pour bonté, merci pour miséricorde li. Nous disons bon Dieu merci de ce que li prête nous la vie, de ce que li fait nous vivre, fait nous respirer. Et we do not take life for granted. C'est un cadeau que bon Dieu ban nous. À chaque fois que nous avons respiré, dis bon Dieu merci. Dis bon Dieu merci de ce que li ban nous la vie pour nous capables servir li. Il fait nous grâce pour nous capables de marcher avec lui. Bon Dieu bénis nous, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. La paix du Seigneur soit avec vous tous et avec votre esprit. Nous disons bon Dieu merci pour la vie. Nous espérons que passer une bonne semaine malgré tout, malgré problème, malgré calamité. Nous, après, respirer toujours, nous disons bon Dieu merci pour ça. Amen, c'est un privilège. Nous disons Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pas bon ou bon, nous capables de dire c'est grâce à Dieu. Amen. Bon Dieu bénis nous encore. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous et avec votre esprit. Alléluia, gloire. Nous pouvons partager un verset ensemble avec nous que nous joignons dans le livre de Psaume 120. Nous allons lire le chapitre 20 et nous allons considérer le premier verset. Le psaume 120, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te rapporte une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar, assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Psaume 120, le verset 1er. Il dit, l'aime tes entrailles, moi te relaisse, il te répond moi. Délivre-moi, Seigneur, en bas monde qui a menti, en bas monde qui a trompé monde. Hypocrite, qui ça ou mérite, bon Dieu, faire où? Qui ça pour le faire où? En plus, est-ce que c'est avec flèche pointue soldat yo? Est-ce que c'est avec charbon gaillard tout l'humain? Malheur pour moi parce que c'est un coup si m'terrete dans mitan moun pays Méchec, ou sinon dans mitan moun pays Keda. Moi rete trop longtemps ak yon bande moun ki pa renmen vive ak kè posé. Le moi même m'a parlé yo jan pou yo vive bien yon ak lot. Yo même c'est yon seul bagay ki nan tèt yo, c'est fè la guerre. Parole bon Dieu nan ciel là. Le verset 1er, il dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. L'aime tes entrailles, moi te relaisse, il te répond, moi. Alléluia, nous voyons le psaume 120 jusqu'à psaume 134. Nous voyons que là, nous lit dans tête, là, il dit cantique des degrés. Amen. Cantique des degrés, c'est on chante, puis on chante, là, monter la ville Jérusalem. Nous voyons que psaume Sayo, de 120 à 134, en probablement, nous avons pilgrim yo te kon chante yo, le ap monte Jérusalem. Amen. Pour yo aller adorer bon Dieu.
pendant trois fêtes nationales et te kon fè chaque année, et bien te kon célébrer Passover, te kon célébrer Pentecôte et Tabernacle li nan Lévitique 23. Nou peuple Israël li gran pile histoire. Yo te nan esclave en Égypte, après ça yo te tombé nan Babylone et nou wè que réellement peuple Israël là c'est un peuple réellement qui était persécuté, son peuple qui était passé misère, mais peuple Israël c'est le peuple choisi de Dieu, mais nou wè bon Dieu pas quitté yo en esclavage, rete en Égypte et yo pas quitté yo tout et rete passé misère en Babylone. Et nou wè que bon Dieu te aidé peuple Israël, il toujours aidé yo. C'est même j'entends nous-mêmes qu'a servi bon Dieu, nous c'est peuple bon Dieu, nous accepter Christ comme sauveur et Seigneur, nous a marcher avec bon Dieu connaît nous, bon Dieu connaît nous, bon Dieu a aidé nous. Psalmiste là il dit que dans ma détresse, amen, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Le monde en détresse, ce monde qui n'entraille. Parce que l'on dit l'elle t'est n'entraille, moi t'ai relé Seigneur, il t'est répondre moi. Dès le monde en détresse, son sentiment que mon senti que l'y abandonné, son sentiment de solitude qui profond. Ça veut dire mon tombé dans le désespoir. Ça veut dire mon non situation qui très critique. Oh, et situation ça l'est critique, l'est dangereuse tout. Et même mon avis un cœur serré, il avis une angoisse ou bien avis une inquiétude, il senti désolé. Ça veut dire il senti l'esprit bouleversé. Lorsqu'on est au monde en détresse, ça veut dire son monde qui besoin aide, son monde qui pas espoir du tout, son monde la vie en danger, les monde en détresse c'est courir, monde ça besoin aide. Ça veut dire si que on monde pas vin aider monde ça qui en détresse là, ça veut dire la vie monde ça li en danger. Et bien, l'autre monde qui est en détresse, ça veut dire monde ça son monde qui senti l'abandonné, qui non solitude extrême, qui profonde, son monde qui non désespoir et même qui a frappé la ville, qui non situation qui critique. Et bien, so, c'est ça qui fait que psalmiste dit l'elle t'est en détresse, l'elle t'est en trahison. Il t'est relé Seigneur ya. Et bien, il t'est répond ni. Il t'est relé Seigneur ya. Non détresse li yo, qui ça le fait? Li rele Seigneur et Seigneur te répond ni. Parce que bon Dieu dans ciel là, c'est lui même qui créé nous. Li wè tout ça qui a passé sur cette terre. Bon Dieu connaît la vie nous mieux que nous mêmes. Bon Dieu voulait parfois pour nous prier, li pas parfois, toutes les fois. Parce que nous supposons prier bon Dieu sans cesse. Toutes les fois que ou a servi bon Dieu, si ou a servi bon Dieu, ou besoin mener une vie de prière. Lors d'un problème, lors d'une difficulté, ou besoin prier bon Dieu. Et même lors pas un problème qui a frappé porte caillou, ou besoin mener une vie de prière. Amen. Ou besoin mener une vie de prière pour capable gain force, pour capable gain courage dans monde ça que nous à vivre là. Parce que sans la prière, sans communication avec bon Dieu, chemin pas facile du tout, du tout. Faut nous capable communiquer. Parce que prière, c'est communiquer, ou communiquer avec bon Dieu. C'est parler, ou parler avec bon Dieu. Et même, ou parler avec bon Dieu. Ou faire bon Dieu qu'on écrit cœur ou, et puis bon Dieu lui-même, et puis la répondre. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. L'elle t'est dans problème, qui ça a été fait? C'est à l'Éternel qui t'est crié. C'est bon Dieu qui t'est relé. Il pas relé le monde, il pas relé personne. C'est l'Éternel des armées qui t'est venu aider lui. Dans le psaume 118, le verset 5, parole bon Dieu dit, n'entraille, psalmiste l'a dit comme ça, que n'entraille, moins t'es ya, moins relé, Seigneur ya, li répond moins, li délivre. Amen. Ça veut dire, là que nous avons problème, nous avons difficulté, là la vie a bouleversé nous, là nous en détresse, là nous sentis nous en solitude, nous abandonnés, là nous sentis que nous serrés, nous en angoisse, là nous sentis que l'esprit nous bouleversé, nous besoin crier à l'Éternel. Parce que gon carrefour que ou yé, gon problème que ou a traversé, gon difficulté qu'a frappé porte caillou, gon bakay que ou la donne, c'est bon Dieu seulement qui capable aider ou la donne, c'est pas moun. Si moun te capable aider, non c'est de problème qui a confronté la vie ou, mais moun nan ta aider ou. Ou sou te ka aider tête ou t'ap aider tête ou, mais puisque ou pa ka aider tête ou, puisque moun pa ka aider ou nan situation que ou ye ya, gen situation ou ye ou moun ka aider ou. Mais gen situation ou ye, personne pa ka aider ou, only God can help you. C'est bon Dieu seulement qui capable aider ou. C'est ça que moun pa ka vivre sans bon Dieu. Non, moun pa ka vivre sans bon Dieu. Je toujours dit petit mou yo ça, you cannot live, we cannot live without God. C'est bon Dieu seulement qui peut aider nous.
C'est bon Dieu qui pour aider nous, nous ne pas vivre sans bon Dieu. C'est ça qui fait yon moun dwe pran bon Dieu. Amen comme appui yo. Amen comme forteresse yo. C'est pour moun toujours pran bon Dieu comme c'est lui même qui toute la vie yo. C'est parce que c'est bon Dieu qui source la vie. Nous sans bon Dieu, nous pas gen la vie. Mais avec bon Dieu, nous gen la vie. Amen, gen koto ye. Bon Dieu pas moun pas ka edo, c'est bon Dieu seul qui capable edo, oui. Psalmiste l'an dou ça, oui, nous sommes 118 verset 5. Li dou nan trai mwen te ya. Mwen rele Seigneur ya. Li répond mwen. Li deli, li délivre. Amen. Nan verset 6 l'an dou Seigneur pour mwen, mwen pa pe rien. Ki sa moun ka fè m? C'est Seigneur ka pède mwen. C'est comme ça m'a campé garder moun ki rayim yo. Pito yon moun chache protection en bazel Seigneur ya, passe pou mete confiance li nan moun. Pito yon moun chache protection en bazel Seigneur ya, passe pou konté sou chef. Amen. Ça veut dire toute confiance nous c'est dans bon Dieu, li dwaye. Regardez dans Job 2 verset 2. Côté où est réellement que calamité te frappé pour Job. Amen. Le verset 2, Job 2, le verset 2, il dit Seigneur a mandé le côté où sorti. Le verset 1, il dit un jour toutes anges bon Dieu yo te réuni devant Seigneur. Satan vini tout dans mitan yo, Seigneur a mandé le côté où sorti. Satan répond, moi saute monter descendre tout partout sous la terre, moi t'a promener garder. Songez que bon Dieu pas créé Satan, bon Dieu t'a créé un ange qui est le Lucifer, bon ange là vient ton ange rebelle. So li perdu pouvoir li. So c'est ça qui fait que ça te konn fè nan ciel, l'al pa ka fè l'adoration, te konn fè, li pa kapab fè li pou bon Dieu. So kounye la même, c'est ça qui fait nous Satan, le mot Satan yo vin utilise li. Bon c'est Lucifer qui un ange de lumière que li teye. Kounye al pa un ange de lumière, yo rele li Satan ou bien adversaire. Et bien ki sa nan verset 2 a, li di Seigneur a mandé le côté ou sorti, Satan répond moi saute monter descendre tout partout sous la terre, moi t'a promener garder. Ça veut dire que le wap servi bon Dieu quoi dans bon Dieu, ennemi en a attaqué ou. Ennemi en l'a suivre. Pour qui ça c'est parce que wap servi bon Dieu. Ennemi en pas vle moun servi, adversaire n'a pas vle moun servi bon Dieu. C'est ça qui fait ouais gen pile moun ka fè rebelle qui pas vle accepter Christ comme sauveur et seigneur, qui pas vle marcher Jean bon Dieu mandé pour yo marcher, parfois yo peur pour ennemi en adversaire n'a pas persécuter yo. Mais faut qu'on capable connait que bon Dieu avec ou si Dieu est pour nous qui sera contre nous. Faut qu'on pas peur persécution, faut qu'on pas peur mépris, faut qu'on pas peur humiliation. C'est pour rester dans la prière demander bon Dieu force courage parce que ennemi a présenté n'importe bagarre, n'importe adversité devant. C'est ça qui fait que t'es à côté. Il t'a promené et puis kounya même il dit comme ça dans le verset 2 il dit c'est à mandé le côté où sorti Satan répond moi sorti monter descendre tout partout sous la terre moi t'a promené garder. Amen. Et bien qui ça t'est venu passer? Et bien il t'est venu attaquer Job. Gen bagay qui rive en chrétien, c'est ça que toujours nous si en haut pas bail en bas pas ka prend. Ça veut dire que si bon Dieu pas bail permission, pas gen monde qui capable faire rien. Pas grand rien qui arrive. Bon Dieu te permet que Satan te touche et ça que Job te possédé, mais pas te permettre pour te toucher nom ni. Ça veut dire que bon Dieu c'est lui-même qui capable détruire ni corps ni nom là. Amen. C'est bon Dieu qui gagne tout pouvoir et toute puissance. So, ça veut dire calamité te frappé pour Job. Job te relé bon Dieu te tendé, bon Dieu te délivré. Regardez dans Job 42, ouais comment bon Dieu te béni. Ça veut dire que dans le monde que nous vivons, dans ce monde de problèmes, de calamités, de difficultés, en pile bagaille capable de frapper pour caillou. Parce que l'adversaire, c'est lui-même qui peut attaquer petit bon Dieu. C'est tout ce qui a passé dans le monde. Bagaille mal ou qui a passé, c'est l'adversaire. C'est Satan le diable qui est responsable de bagaille ça. Yo. Pour qui ça? C'est parce que lui pas vle unité. Lui pas vle côté gain la paix. Lui pas vle côté gain union. Côté moun mette tête ensemble. C'est ça qui fait li fait moun ap joue l'autre. Youn a fait hypocrisie avec l'autre. Youn pa vle wè l'autre. C'est ennemi an kap mache. Et même tant qu'un lion dévorant, il a cherché moun pour le dévorer, pour le capable détruire. Parce que Jean 10, verset 10, c'est d'où ennemi an vini. Il vini pour le capable voler, pour le capable détruire, pour le capable tuer. Mais Jésus vini pour bailler la vie. C'est ça qui fait moun kap mache avec bon Dieu, kap servi bon Dieu, yo caché en dans bon Dieu. Même si ennemi an ta vini, et même ni pas capable atteindre nous. Son bagarre arrive en petit bon Dieu, c'est parce que bon Dieu bail permission. Li bail permission à mesure.
à moitié, li pa bay ennemi en permission sur toute bagaille qui existait dans monde ça ou bien dans la vie chrétienne. Si ou marche avec bon Dieu, si ou ouais que ou gen persécution, c'est parce que bon Dieu et bay permission pour persécution ça arriver ou. S'il pa bay permission, pa gen rien, pa gen branche cheveux dans tête ou qui capable racher. Et même là ou non persécution ennemi a persécuté, victoire c'est pour ou même que lié, c'est pour petit bon Dieu, c'est pour nous même que lié. So, ça veut dire que Job était tombé en pile calamité, il était tombé dans détresse, amen, il était tombé dans désespoir, non abandon. Pour qui ça? C'est parce que ouais, tout le monde t'a quitté Job, tout ça Job t'a gagné réellement, t'a perdu yo, il t'a perdu petit li, il t'a perdu bien li, amen, amen. Et bien qui ça bon Dieu t'a fait? Bon Dieu t'a réellement t'a aidé li, bon Dieu t'a récupéré, et Job t'a récupéré tout ça que il t'a perdu. Ou est que Salmis Landou, l'el te nantray, mwen te rele seye ya, li te repon mwen. Lo nantray, ki moun pou rele? Ki es pou rele? Et nou est que, lo gade nou est le Jésus te sur la terre, Jésus te rele bon Dieu, papa li. Parce que Jésus te bin rempli yon mission bien déterminée. Et mais ki sa te rele? Genyen, réellement, bon Dieu te aide. Bon Dieu te aide li, parce que c'est bon Dieu. Amen. Papa lui qui te voyé le rempli, mission ça bien déterminé. Lo regardez dans Somme 50, le verset 15. C'est qui sa parole, bon Dieu dit? Somme 50, le verset 15, je vais lire pour vous. Somme 50, le verset 15. Li dit, le ou n'entraye, relem ma délivré ou. Amen. Fais louange moi. Alléluia. Là on travaille, c'est bon Dieu, là on détresse, là on problème, difficulté, c'est bon Dieu pour elle. Parce que gros problème au monde gain, personne pas ka faire rien pour. Nous sommes 116 verset 3 et le verset 4. C'est qui sa parole bon Dieu dit? Il dit l'homme t'es fin vlopé, privé l'homme t'es tombé sous moi. Yon seul coup comme t'es cassé. Moi t'es dans gros la peine. Verset 4. Les moi ça, hein. Moi relé Seigneur ya, moi dit li, tant prie Seigneur, délivre-moi non. Alléluia gloire. Salmis Landou. Amen. Privé l'en mort, t'es tombé sous lit. Qui ça t'est passé, il t'est relé Seigneur ya. Bon Dieu t'étendait lui. Verset 5 l'en dit doux, Seigneur a gen cœur sensible. Il pas gen parti pri, bon Dieu nous a gen bon cœur. Amen. Seigneur a protégé monde qui sans secours. La mwen te nan malheur, c'est lui qui t'a sauvé moi. Mon maître était cœur posé parce que Seigneur était bon pour moi. Seigneur, ou délivré en balan mort. Ou fait me suspendre crier ou pas quitter me biter. Combien monde bon Dieu craser ses cœurs pour yo? Combien monde bon Dieu guéri? Combien monde bon Dieu délivré? Ou te relé bon Dieu, moun pas capable faire rien pour ou. Ou circonstance ou rive, moun pas capable faire rien pour ou. Ou ta remen moun font bagarre pour c'est bon Dieu seul, oui. Salmis Landou dans Somme 107 verset, il dit Seigneur, ou délivre mon balan mort, ou fait me suspendre crier, ou pas quitter me biter. Alléluia. C'est comme ça m'a marché devant Seigneur dans pays monde vivant yo. Moi te kembe confiance moi, femme dans Seigneur ya. Même l'aim t'a dit, malheur pas manquer tomber sous moi. Même dans tête chargée, moi te ya. L'aim t'a dit, ou pas qu'à faire personne confiance. Gloire à Dieu. C'est bon Dieu qu'on délivre, oui. C'est bon Dieu qu'on baille force, oui. C'est bon Dieu qu'on baille mon courage, oui. C'est bon Dieu qu'on aide mon, oui. Amen. Qu'on si constant souye, ou mette espoir sous zami. Zami pap ka fanye pour ou. Ou mette espoir sous madame. Madame pap ka fanye pour ou. Ou mette espoir sous mari. Mari pap ka fanye pour ou. Ou mette espoir sous moun. Personne pap ka fanye pour ou. C'est bon Dieu seul, oui. Gon koto rive, gon rivière ou ap traverser, ou ta même moun traverser la mer, c'est bon Dieu seul. Oui, c'est ça que fait, c'est pour nous mettre toute confiance nous dans bon Dieu. Lage tout corps nous dans bon Dieu. Lage tout espoir, nous mettre tout espoir nous dans bon Dieu. Parfois gen koto ye moun ka yedo, mais gen koto ye, c'est l'Éternel des armées pour dire oui. Les l'homme a venu pour frapper porte ca, c'est l'Éternel seulement qui a crasé ses cœurs ça pour oui. C'est bon Dieu seul qui a renvoyé en terre ça pour oui. C'est bon Dieu seul qui a renvoyé chire rat deux ça pour oui. Moun pa ka fè rien pour ou. Gen koto ye, c'est bon Dieu seul oui. Ou ta remen moun fè bagay pour ou. C'est bon Dieu seul qui ka aide oui.
C'est ça qui fait m'encourager pour servir bon Dieu, pour marcher avec bon Dieu. Mettez toute confiance ou tout appui sur bon Dieu. Parce que bon koto yo appuyé sur l'homme, l'homme n'a pas à l'école, l'homme va tomber. Pas mettre toute confiance dans l'homme. En mesure confiance ou gain dans l'homme. Parce que la Bible fait nous connaître malheur à monde qui mette confiance dans toute confiance dans l'homme. Heureux monde qui met confiance dans bon Dieu. L'homme met toute confiance dans bon Dieu. L'homme autour des serviteurs l'ont dit psalmiste l'ont dit dans ma détresse c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. L'entendre dit notre réalité l'aime te n'entrai moi te le Seigneur il te répond moi. C'est parce qu'elle met confiance. Vous savez du sou pas mettre confiance dans bon Dieu. Sous nos problèmes, difficultés, bon Dieu pas capable faire rien. Non, c'est pour mettre toute confiance dans bon Dieu puis bon Dieu va aider ou dans situation koyé parce que dans monde n'a vivre dans son monde qui difficile que lié. Faut vous gain confiance dans bon Dieu car sans la foi, il est impossible ou agréable devant bon Dieu. Sou pas faire sou pas gain confiance dans bon Dieu, ça veut dire pas capable faire bon Dieu plaisir. L'on dit c'est bon Dieu seul qui met tout, c'est bon Dieu seul qui bon Dieu, c'est bon Dieu seul qui Seigneur, c'est bon Dieu seul qui ca aider, qui ca délivrer, c'est bon Dieu seul qui ca libérer, c'est bon Dieu seul qui capable guérir, qui capable sauver, c'est bon Dieu seul qui capable retirer dans situation que il y a. Bon Dieu content l'on parler conscience ensemble avec lui. Et puis bon Dieu aider. Bon Dieu aider. Yes, dans Hébreux 5 le verset 7, c'est qui sa parole bon Dieu dit. Il dit pendant Jésus t'a vécu sous la terre. Li te la priye bon Dieu. Li te fait demande li avec gorel ak glo nan Dieu, bay bon Dieu. Seul moun ki te capable sauver en bas la mort. Bon Dieu koute l parce que li te soumet devant bon Dieu. Même Jésus, il était sur la terre en tant que l'homme 100% l'homme. Il était sur la terre un homme parfait. Et mais qui ça t'est passé? Il était prié bon Dieu, papa qui te voyé sur cette terre. Ça bon Dieu t'est fait. Bon Dieu t'étendait l. Bon Dieu relè, li te relè bon Dieu. Bon Dieu relè si Jésus te kon prier papa. Allez voir moi même ensemble avec nous qui sur cette terre pour ne pas prier bon Dieu. Yes, nos détresse nous yo, c'est bon Dieu pour nous prier. Yes, l'el te notre ray, moi te relè Seigneur. Amen. Seigneur te répond ni. Lo regardé sœurs et frères et amis dans le Seigneur. Nous peuple Israël te en esclavage. Peuple Israël t'est passé misère en pile, son peuple qui passé misère en pile, n'a regardé le peuple haïtien, c'est comme si on était capable considérer le peuple haïtien tant que peuple Israël. C'est comme si nous même j'aurais peuple Israël a passé misère. T'est passé misère en Égypte, en Babylone, c'est même j'en tout nous peuple haïtien a passé misère en pile misère. Dans Exode 3 le verset 7, c'est qui ça? Parole bon Dieu dit nous, il dit Seigneur a dit, moi ouais trai peuple moyen a passé dans pays l'Égypte. Mwen tande jan yap rele an ba men moun kap pese yo. Oui, mwen konnen jan yap soufri. Bon Dieu nan ciel la te wè jan pèp Israël tap soufri nan an Egypt an ba Pharaon. Lò moun nan esclavage, moun sa son moun ki mare, ki pa gen moun sa son moun ki pa gen liberté, pa ka fè sa pou vle, sa vle non? Se sa met li di l fè. Moun ki sou tèt li an di l fè. Se li pou l fè, oui. Il pas qu'à faire non mais là nous regardons dans Exode 12 verset 37 à 42 nous web côté peuple Israël a été sorti en Égypte après que bon Dieu t'ait frappé amen pharaon amen avec des plaies et puis qu'on a été quitté aller elle frappé premier petit toute premier petit égyptien tout t'est mouri il frappé les ouais ça a quitté peuple aller selon Exode 12 verset 37 à 42 nous, peuple Israël, t'es sorti en Égypte dans l'esclavage. C'est même gens tout ou même peuple haïtien. Bon Dieu capable de retirer ou en esclavage, oui. Bon Dieu capable de délivrer, oui. Bon Dieu capable de sauver Haïti, oui. Bon Dieu, oui, nous passons des chrétiens qui ont prié pour Haïti. Nous pas quoi ça? Yon jour tant qu'aujourd'hui, bon Dieu a dit yon mort pour le peuple haïtien. Même j'en l'ai fait pour le peuple Israël. God can do it. Just believe and trust in God. Trust in Him. Kwè bon Dieu. Mettez confiance nous dans bon Dieu, nous même qu'a prier bon Dieu, qu'a servir bon Dieu. Mettez confiance nous même haïtiens, mettez confiance nous dans bon Dieu. Nous n'a continuer prier pour le peuple haïtien, nous connaît peuple haïtien qui pour délivrer parce que peuple Israël était passé 430 ans en esclavage en Égypte. L'Éternel te dit un mot 430 ans. Ouais, combien de générations passées?
Ça veut dire que bon Dieu capable de dire un mot pour le peuple haïtien. Là nous t'es notre aïe, Samis l'a dit. Dans ma détresse, je crie à l'Éternel. Alléluia, c'est à l'Éternel que je crie. Avec qui est Jodia? Où elle est? Avec qui moun ou crier? Là on a problème, là on a difficulté, qui vous vient délivrer? Là regardez dans Jonas 2 verset 1 et 2, nous voyons que Jonas t'es dans vente poisson hein. Et mais qui savent Jonas fait pendant t'es dans vente poisson, il t'est prié bon Dieu t'est délivré. C'est même gens tout ou même sous grand problème, ou grand difficulté. Non détresse ou yo. Non solitude ou yo. Non désespoir yo. Non situation critique que ou yé qui dangereuse. Et mais non inquiétude ou yo. Pendant ou senti espoir bouleversé. Rele bon Dieu. Bon Dieu a secouré ou. Bon Dieu a dit un mot pour même. Son seul bagage fait confiance. Sou fait bon Dieu confiance, ou pas déçu, non? Ou pas honte, non? Parce que gen pile monde sur cette terre qui marche dans honte. Qui honte? Qui déçu? C'est parce que tu appuyé sur monde, oui. C'est parce que tu as mis confiance dans l'homme, oui. Et puis l'homme déçu aujourd'hui, ah oui. C'est ça qui fait mon courage aujourd'hui, ah. Mettez tout espoir dans bon Dieu, attendez. Fais bon Dieu confiance 100%. C'est bon Dieu qui pas déçu, non? Et sous ta ou non problème, connaît bon Dieu dans le ciel, capable retirer là-dedans, oui. Capable retirer là-dedans parce que non, sous terre ça n'a vivre, non, son terre problème que lié. C'est ça que en tant que chrétien, ouais, parfois problème qu'on frappe porte caille, non. Amen. Mais là nous prier bon Dieu attendez nous. Fais bon Dieu confiance, attendez. Parce que la Bible fait nous connaît. Amen. Psalmiste fait nous connaît dans détresse que le teye. Qui ça le fait? Dire le bon Dieu. Qui moun ki exauce, c'est bon Dieu, oui. Parfois bon Dieu passe par moun pour aider ou. Amen. Mais par là, appuyons sur l'homme. Car l'appui de l'homme n'est que du sable. L'appui de l'homme n'est que du sable. C'est ça que fait je dis à m'vin encourager ou pour marcher avec bon Dieu. Pour servir bon Dieu. Parce que David était dans situation. Là, il était dans situation. Côté Saül, il voulait tuer. Côté petit Absalom, il voulait tuer. Il était derrière, il a persécuté. Bon Dieu, bal victoire. Il a bal victoire. C'est même chantou, quel que soit le type de persécution qu'on gagne. Souris les bon Dieu, souris à l'éternel. L'éternel a pédé. M'encourage pour servir bon Dieu, pour marcher avec bon Dieu. Même sous je ne mépris. Même si mon a parlé mal, même si mon a critiqué ou, même si mon a fait hypocrisie ensemble avec ou, même si mon a fait ti pile gros pile sous dos, même si on raillé ou, même si on pas voulu well, même si mon a fait égoïste avec ou ambition contre ou même, qu'on est bon Dieu avec ou pas pour contre ou, you are not alone, God is with you. Si bon Dieu pour qui est-ce qui capable contre ou même? Bon Dieu t'a délivré le peuple Israël. Yo t'a crié à bon Dieu, yo connaît yo grand bon Dieu. Yo te crié à l'Éternel. Bon Dieu te suscite en Moïse pour venir aider le peuple Israël. Nous connaissons bon Dieu a dit un mot un jour pour Haïti. Bon Dieu a dit un mot pour même chemin avec frère qui n'ont problème. Non problème, yo relé à bon Dieu. Bon Dieu va exaucer. Bon Dieu va délivrer. Bon Dieu va sauver. Bon Dieu va guérir. Bon Dieu va libérer parce que Dieu est Dieu. Alléluia, he is God. C'est lui même qui fait ciel là, c'est lui même qui fait terre. C'est bon Dieu qui crée toute bagaille, quel que soit problème qui a frappé la vie ou, quel que soit difficulté, quel que soit persécution la donne. Relé bon Dieu a délivré ou, et le ça va faire louange bon Dieu, ou va témoigner la gloire de Dieu, ou va dire ou t'es malade, bon Dieu guéri ou. Ou va dire t'es non problème, bon Dieu délivré ou va dire ou t'es marré, l'Éternel libéré ou, alléluia, ou va dire réellement, alléluia, ou t'es manqué mourir, alléluia, mais bon Dieu crase ce que l'on pour ou, ou va témoigner, grandeur bon Dieu, koto passé, ou va bay bon Dieu louange. Je souhaite que bon Dieu capable bénir, que bon Dieu capable aider ou, que bon Dieu capable fortifier ou, pour capable qu'on est dans détresse ou yo, dans difficulté ou yo, c'est à l'Éternel pour crier. C'est pas à moun pour crier, c'est à l'Éternel pour aller. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer ou qui est capable de sauver. Pas mettre pas appuyer sur l'homme, pas mettre toute confiance dans l'homme. Parce que va prier en côté, tant que nous sommes dit à l'heure, l'homme n'a pas qu'à faire rien pour vous. C'est bon Dieu seulement qui est capable de faire un bagage pour vous. Si l'homme t'a fait pour vous, parce que nous vivons dans le monde
Nous même la Bible dit ça, l'homme égoïste dans dernier temps, l'homme a égoïste en pile, parfois ouais mon dans cette tête seulement pas ouais mon bon côté. Amen, c'est ça fait en tant que mon cap servi mon Dieu, sous bon esprit égoïste demander bon Dieu retirer lui pour qu'il s'allie pas vienne de Dieu. Amen, c'est signe de dernier temps que lié. Mettez espoir dans bon Dieu parce que l'homme réellement l'homme yo faibli. Alléluia. Mais là qu'on a cet esprit bon Dieu dans vous-même, c'est lui-même qui a dirigé la vie ou c'est lui-même qui a montré qui gens pour vivre, qui gens pour vivre avec monde qui bon côté ou si mon en un problème pour capable aider. Mettez toute confiance dans bon Dieu. Mettez tout espoir dans bon Dieu. Dans détresse ou yo, dans tracas yo, dans tête charge yo, dans humiliation yo, dans mépris yo, mettez toute confiance ou dans bon Dieu, même si moun abandonné ou, alléluia, bon Dieu pa jamais abandonné ou. On moun ka abandonné aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Mettez confiance ou dans bon Dieu et puis bon Dieu a bon force, a bon courage pour marcher de victoire en victoire. De grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. C'est bon Dieu qui a délivré nous dans le problème que nous avons confronté. Quel que soit dans soye ya, si mettez confiance nous tout bon dans bon Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu manifester dans la vie nous. Et puis non seulement ça tout, nous va bailler bon Dieu l'ourange que le mérite. Et nous va témoigner la grandeur de Dieu côté nous passer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, que bon Dieu capable fortifier ou que bon Dieu capable faire route avec vous, quelle que soit difficulté que vous confrontez, connaissez bon Dieu pour crier à lui-même, pour relayer bon Dieu, pour faire bon Dieu confiance et on va ouais remporter victoire sous toute force qu'a fait force avec vous, on va délivrer dans toutes sortes de problèmes. Alléluia, qu'a frappé la vie. Même Jean bon Dieu t'a délivré, Job, il était by Job victoire. Et même c'est même Jean tout, il va avoir victoire. Même Jean te bay Jonas victoire sous poisson ça te valait là. Maintenant tu es dans votre poisson, t'as prié bon Dieu. Bon Dieu te bal victoire. Amen. C'est même Jean tout bon Dieu va avoir victoire. Daniel, exemple de Daniel dans la fosse au lion, les trois jeunes Hébreux. Bon Dieu te délivré yo. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas gen aucun nombre de variations. Alléluia. Non bon Dieu. Même j'en t'ai délivré le peuple Israël en Égypte, en Babylone. C'est même j'en tout bon Dieu capable de délivrer. Elle capable de délivrer le peuple haïtien de mépris, de humiliation que haïtien apprend. Et même presque tout partout, côté au passé. Moi, croyez que bon Dieu capable de dire un mot. Et bon Dieu a dit un mot. L'heure est arrivée, pas gagné personne qui est capable de camper devant délivrance de peuple haïtien. C'est même Jean tout, sous nos problèmes, pas gagné monde qui capable, les bon Dieu délivrer, pas gagné monde qui capable camper devant. Non, pas gagné monde qui capable camper devant les bon Dieu délivrer ou libérer. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Parce que bon Dieu remet nous. Bon Dieu voulait nous servir. Il voulait nous marcher avec lui. Amen. Dans détresse ou yo, criez à l'Éternel. Elle va répondre nous. Que bon Dieu bénisse. C'était servant tout. Ministre Maggie Pierre. God bless you all. Amen.